Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet. Alors avant ça, on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui, le jeudi 20 janvier. C'était à Vincennes, réunion 1, course 1. Départ a lieu à 13h50 sur 2100 mètres. Il y avait 14 partants. Départ à l'autostart sur la grande piste. L'arrivée était 5, 6, 8, 4 et 3. Donc je vous donne dans ma sélection le tiercé, quartet, quintet. J'étais très confiant avec le 5 et je vous avais donné en coup de poker le 4 qui arrive 4e à Bellecôte. C'est dommage. Car dans la dernière ligne droite, il aurait pu finir deuxième, mais il n'a pas tenu. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une très belle journée. Tiercé, quartet, quintet. Donc voilà, dans mes 4 chevaux, je vous donnais le couplet placé 5 et 8. Voilà, le 3 qui finit 5e et le 13 aussi, qui finit aux portes du quintet 6e. Donc c'était une très belle journée aujourd'hui. Donc on va espérer faire beaucoup mieux pour demain, même si c'est un quintet très difficile. Ça sera le vendredi 21 janvier à Cannes-sur-Mer. Réunion 1, course 2, le départ à 13h50, il y aura 16 partants sur 1500 mètres, sur du gazon, corde à gauche. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, j'aurais dû, d'Anthony Crastus. Je vous ai mis le 5, perle de nuit de Stéphane Pasquier. Je vous ai mis le 8, aiguière d'argent de Demuro. Le 6, Houtonne de Christophe Soumillon. Le 3, Norwegian Sir de Pouchin. Le 2, Romero de Millet. Le 13, Vautrin de Valxar. Et le 16, Carlton Choice de Boutan. Et en canon partant, je vous ai mis le 15, Diva du Dancing de Orani. Donc je répète ma sélection, le 11, le 8, le 5, le 6, le 3, le 2, le 13 et le 16. Et en canon partant, le 15. Pour moi, les bonnes bases seront 11, 8, 5. Il devrait finir dans le quintet. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.